Comment développer une attitude d'écoute? Je prends le temps d'éteindre ma radio mentale. Je me rends disponible. En plus, je manifeste des marques d'intérêt vis-à-vis de la personne et pas exclusivement vis-à-vis du contenu de la relation. Je suis toujours curieuse d'apprendre de l'autre. En plus, je prends le temps d'analyser la situation avant de vouloir trop rapidement trouver les solutions. Et aussi, je diffère mon besoin de convaincre. Alors en plus, je laisse la place au silence. D'ailleurs, ça crée un climat de confiance. Et puis, l'absence de parole de ma part me laisse par ailleurs le temps d'être attentive aux expressions non verbales de mon interlocuteur. Et ces pauses lui permettent à lui d'élaborer sa pensée et de retrouver sa propre motivation.